Salut les cinéphiles de la toile, content de vous retrouver pour ce dernier épisode spécial Halloween. Aujourd'hui, on revient sur un film d'une noirceur absolue, j'ai nommé The Mist. The Mist sort en 2007, adapté de la nouvelle de Stephen King, Brume, qui se trouve dans le recueil Dark Force. Le film est réalisé par Frank Darabont, qui s'est surtout fait connaître auprès du grand public avec le film La Ligne Verte. Darabont commence sa carrière comme assistant de production et décorateur de plateau, puis comme scénariste. Il coécrit les scénarios de Freddy 3, de La Mouche 2 et du remake de The Blob. Passionné par l'œuvre de Stephen King, il réalise son premier court-métrage The Woman in the Room d'après une nouvelle du romancier à succès. L'écrivain sera impressionné par son travail et acceptera de lui céder le droit de sa nouvelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Darabont en réalise Les Évadés en 1994, qui sera un énorme succès. Il enchaînera 5 années plus tard avec un autre immense succès planétaire, intitulé La Ligne Verte, adaptation de la nouvelle de son auteur préféré avec Tom Hanks et Michael Clarke Duncan. Après The Majestic avec Jim Carrey, Darabont s'attaque à l'adaptation de The Mist, un travail titanesque qu'il a commencé il y a déjà 20 ans. Adoubé par Stephen King, le réalisateur part en recherche de financement, et là, ce sont les frères Weinstein, encore eux, qui acceptent de produire le film à condition d'un budget extrêmement serré de 13 millions de dollars. Vraiment maigre pour un film de cette envergure. Darabont réunit un casting d'acteurs confirmés mais sans véritable star. On y retrouve Thomas Jane, Marcia Gay Harden, William Sadler, André Brower, que l'on connaît surtout pour son rôle de l'inspecteur Pembletown dans la série Homicide, Laurie Holden et Jeffrey Demon, qui retrouveront Darabont dans la série The Walking Dead. Tout ce petit monde se donne rendez-vous sur le tournage de The Mist pendant 37 jours, 4 petites semaines de tournage. C'est vraiment peu, hein. Ce qui oblige Darabont et son équipe à travailler dans l'urgence et l'efficacité. Fort de son expérience de réalisateur sur un épisode de la série The Shield, le metteur en scène utilise la même recette. Deux caméras, toujours en mouvement, ce qui lui permet de tourner vite et de couvrir au maximum les angles de prise de vue pour chaque scène. En 15 jours, l'équipe shoot l'équivalent de 50 pages de script, presque une heure de métrage. Et évidemment, tout ça en très peu de prises. 3 maximum. Tout cela sera assemblé au montage et donnera plus de rythme au métrage ainsi qu'un aspect quasi documentaire et réaliste. Darabont tient à appliquer totalement ses comédiens et le résultat est époustouflant. Chacun livre une incroyable performance dans un style de jeu très naturaliste. Un esprit de camaraderie est palpable, les uns allant assister aux prises de vue des autres et même les figurants sont hautement impliqués. Comme une troupe de théâtre en fait. Avec une première séquence sans dialogue, Darabont présente la thématique principale de son film, une humanité désemparée face à des événements qui la dépassent. Ici, c'est évidemment la tempête qui symbolise tout cela. L'occasion aussi de citer ses modèles au détour de deux affiches, The Thing de John Carpenter et Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Une manière de dire au spectateur qu'il inscrit The Mist dans la continuité de ces films-là et donc dans le cinéma fantastique. Et de quoi ça parle The Mist ? En gros, pour la faire courte, c'est l'histoire d'un petit groupe qui trouve refuge dans un supermarché alors qu'une mystérieuse brume s'abat sur leur petite ville. Personne ne sait ce qu'il a engendré ni ce qu'elle contient, si ce n'est qu'elle avale les gens et qu'on y perçoit des étranges cris monstrueux. Là où le film est intelligent, c'est qu'il joue sur le hors-champ. La brume, personnage à part entière, isole les gens. Darabont dissimule dans un premier temps ses créatures monstrueuses, puis les fait intervenir petit à petit. Des monstres assez terrifiants et superbement designés par Greg Nicotero. On regrettera néanmoins des effets numériques assez dépassés pour l'époque. Qu'importe, l'ambiance créée est suffisamment prenante, à des moments carrément répugnantes. Âme sensible, s'abstenir. D'ailleurs, impossible ici de passer à côté de la référence à Aliens de James Cameron. Bref, les monstres deviennent une menace terrible pour le groupe qui s'est enfermé dans le supermarché et, peu à peu, deux groupes de survivants vont se faire. Les Illuminés, menés par Madame Carmody, une folle qui ne jure que par la volonté de Dieu et qui reconnaît en ces événements une forme de jugement dernier. Les autres, plus terre à terre, s'organisent autrement et cherchent le moyen le plus rationnel pour s'en sortir. Comme je le disais, la force du film, c'est le choix de s'intéresser à ces personnages et aux drames qu'ils vivent en situant la menace hors champ. Dans cette scène, on y voit seulement une corde qui s'entend d'un seul coup. Cela suffit pour créer une tension et du mystère. On ne peut que s'imaginer ce à quoi doivent faire face les protagonistes et de la même manière, cela nous implique davantage émotionnellement. Stephen King déclarera à propos de la fin du film « Si j'y avais pensé, j'aurais écrit cette fin pour ma nouvelle. »
Une manière de féliciter Darabont et son adaptation. Si le film est assez fidèle aux matériaux de base, il s'en différencie surtout avec sa fin. Le cinéaste a un problème avec la fin de la nouvelle dès l'écriture du scénario et propose une vision bien plus terrible encore. Il la gardera secrète jusqu'au bout et distribue un script amputé des trois dernières pages à son équipe. Sans spoiler, on peut dire que le final d'une noirceur absolue de The Mist est tellement surprenant qu'on ne peut que rester bouche bée. Une des raisons pour laquelle Darabont a eu du mal à trouver les financements pour concrétiser son projet. Et pourtant, c'est une des très grandes forces du film. Un final apocalyptique qui inspira le cinéaste à adapter une œuvre majeure de l'univers des comic books américains avec The Walking Dead. On y retrouvera d'ailleurs une partie du casting de The Mist. Pour moi, The Mist est peut-être un des meilleurs films fantastiques des années 2000-2010. Jamais dans la débauche d'effets spéciaux, jamais dans la surenchère, il livre une peinture effrayante et teintée de nihilisme de nos sociétés modernes, à une époque où les films issus du genre post-apocalyptique se ressemblent tous les uns les autres. The Mist délivre une histoire à hauteur d'homme, tout en construisant un récit mythologique aux références lovecraftiennes. J'ajouterais même qu'il s'agit selon moi d'une véritable adaptation du jeu vidéo Half-Life, avec ses militaires et ses scientifiques responsables de l'ouverture d'un portal sur une autre dimension et l'arrivée de tous ces monstres. Un film très prenant et très angoissant que je recommande vivement. Voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez plus, commentez, likez, partagez, donnez-moi votre avis sur le film, ça m'intéresse. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Back to the Sable. Pensez à activer la petite cloche en haut à gauche pour pouvoir être au courant de nos dernières vidéos. Si vous souhaitez me soutenir davantage et laisser un petit quelque chose, n'hésitez plus et consultez ma page Tipeee, vous trouverez le lien en description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre numéro de Pépites de Cinoche, autre film, autre style. Allez, bisettes !